n'a félicité tout acteur, tout secteur qui est impliqué dans un bel débat qui a fait sous nouveau texte constitution. En pile organisation de jeunes, en pile organisation femmes, en pile parti politique, en pile professeurs, étudiants, jeunes impliqués dans un débat qui a fait ou bien en radio ou bien en télévision et surtout série de 9 débats qui a fait pour l'IALA sous divers thèmes qui liés à nouveau texte là. Tant pour régime politique, tant pour décentralisation, tant pour intégration femme, tant pour intégration jeune, tant pour intégration diaspora. Alors, fondamentalement, comme nous connaissons, texte là, changement fondamental l'hypothèse, c'est un changement de régime politique. Ça, nous tous comme journalistes, nous tous comme citoyens, souffrons de lien pile dans le pays, côté que c'est le Parlement qui était impliqué dans la question de monter le gouvernement. Mettez pression sur le président. Si vous ne mettez X, Y, Z, vous ne pas voter. Ça qui vient empêcher le président de faire travail et de promettre dans la campagne. Donc, régime présidentiel, nouveau texte la proposé a éliminé poste premier ministre. Nous avons gagné un président de la République qui est à la fois chef pouvoir exécutif, là, mais tout chef gouvernement. Donc, nouveau constitution, c'est ça qui est comme gros, gros changement, gros garantie qui permettre. L'on président fin fait campagne, li gon vision, li fait population en promesse, le rive président, même jour le fin prêté serment, la monte gouvernement, demain matin le commence travail pour la population en résultat. Donc ça, sont acquis fondamentaux pour que nous engagions, nous continuions, impliquions nous sur route 27 juin et nous prenons tout le texte là proposé pour famille plus impliquée, pour avoir plus de responsabilité sur le plan politique. Diaspora même c'est pas parler même la jeune yoto. Sans compter en pile l'autre changement qui est vraiment important nouveau texte là proposé et nous comptons ouais, et nous saluer en pile débat qui a fait ce texte là. Nous encourager tout secteur continuer prononcer, continuer faire proposition parce que son exercice des secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Mesdames, messieurs de la presse parlée écrite. Et c'est une grosse opportunité pour nous aujourd'hui pour nous parler de gros salon ça que bureau secrétaire d'État, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a réalisé. Moi-même, Pascal Chérise, non, centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti, c'est de l'Haïti qui c'est entreprise qui est chargée pour organiser salon ça. Nous gagnons. Privilège pour nous partager, Dakadi, quelques éléments par rapport à l'organisation, événement ça. D'autres Dieu n'a dit que salon, tant pour Jean, secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Madame Soinette Désir Sotilan, lui visait à favoriser, faire promotion pour travail, pour monde handicapé. Nous connaissons en général, société noire gagne une façon de penser. Nous gagne des schémas de pensée dans la tête. Si tout par rapport avec la catégorie monde qui est vulnérable, des fois, lorsque on a un handicap, en pile fois, on a déjà limité dans la société, on n'a pas accès avec une série d'infrastructures qui fait que limité dans l'avancement, avancement professionnel, avancement académique. Mais malgré tout bagage ça, malgré tout contrainte, tout problème nous connaissons en Haïti, les gens handicapés n'ont pas chita sous l'oreille, ils disent que les handicapés, ils font effort, ils bravent la structure, infrastructure que nous avons, ils forment la tête. Donc, la société a fait un effort pour garantir coup de pouce pour aider à avancer. Donc, c'est dans le cadre ça, c'est de l'Haïti lui-même qui est firme, qui a réussi à décrocher le contrat ça, après on. Passation de marché qui était faite bon, par le bureau secrétaire d'État. Donc, nous-mêmes, nous sommes juste là pour nous faire un petit coup de pouce. Aider les gens à mettre un petit minimum d'infrastructure, un minimum de préparation dans le dossier, dossier curriculum vitae, ça nous est le CV1. Et puis tout, aider à préparer un interview d'embauche. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous. Forcer la main à l'entreprise pour nous dire oui, c'est mon handicapé, il faut qu'on embauche. Jean, secrétaire d'État, nous là,
pour nous faciliter l'échange ça, nous faciliter les relations entre entreprises et monde qui a cherché travail, surtout si là qui c'est handicapé, qui c'est monde handicapé. Donc comment ça fait? Pendant un mois, CEDEL Haïti lui-même lit travaille avec monde handicapé, parce que objectif là c'est permettre nous réunir 200 monde. C'est pas que c'est 200 monde handicapé qui gagne, mais compte tenu de limitation nous par rapport à contexte la corona, nous pas capable dans un espace réuni on a dit toute population qui handicapé que nous t'a joindre. Donc nous commençons un événement ça, il y a un élément déclencheur, livrer jeter projecteur à ce monde handicapé pour dire attention, vous avez des compétences, vous avez des aptitudes, vous avez des attitudes, vous développez des attitudes. Donc, vous avez prêt pour nous permettre de travailler. Donc, nous réunissons ensemble avec vous, nous mettons à jour CV, parce que en pile fois, vous avez des CV qui ne doivent pas à jour, parce que l'oral nous interview pour. En embauche, il faut que CV ou très à jour. Donc, nous travaillons ensemble avec eux pour nous assurer que CV ou à jour. Et puis tout, puisque l'objectif là, c'est permettre, dans un premier temps, faire entreprise, découvrir la capacité de monde handicapé pour le travail. Donc, nous-mêmes, nous sélectionnons des CV. Ce n'est pas que l'autre monde n'a pas mérité de travail, non. Mais nous obligeons de faire un effort par rapport avec contrainte corona, contrainte limitation espace là. Donc nous sélectionner 200 candidats avec 200 CV d'acadie que nous préparer pour que nous al présenter devant un partenaire de 50 entreprises. Bon, entreprises ça comment nous sélectionner? D'abord nous communiquer avec eux, il y a des spots publicitaires qui passent sur l'événement pour attirer l'attention d'entreprise autour par rapport à obligation yo, en termes de législation pays qui m'a dit fort mon quota qui respecte pour mon handicapé. Mais tout, je dis, on nous connaît que entreprise public, le client a suivi. Et même au niveau international, on ne paquet l'autre potentiel partenaire qui a suivi l'entreprise. Donc, généralement, dans qui entreprise, moun reme achete, yon reme achete produit ou bien moun reme investi. Parce que son tendance jodi, hein, quelle que soit entreprise à travers le monde, les bon tendance à aller vers entreprise qui responsable socialement. Donc c'est une grosse opportunité que ça nous a lié pour entreprise yon, pour yon capable de prouver tête yon, prouver communauté que yon a évolué là-dedans, yon travaille là-dedans, que yon c'est des entreprises qui responsables. Lorsque yon baille moun qui handicapé, nous t'a cap dit qui c'est moun qui vulnérable, plus vulnérable que tout l'autre monde dans la société, yo bay moun sa opportunité pour yo travail, yo contribuer dans inclus financièrement moun sa yo, inclus yo socialement. Donc 50 entreprises sa yo dans sens ça gagne qui relé nous de manière volontaire, mais gagne tout c'est nous contacter yo, nous présenter yo projet, yo dit ah bon, ça son on opportunité. Donc, yo a présent dans le salon, il y a bien un cursus, il y a bien possibilité pour faire promotion pour tête tout. Parce que quand même, entreprise, c'est pour voir d'employer. Donc, nous pas capable de limiter yo, pour nous dire non, ce n'est pas un espace de promotion. Au contraire, son événement qui, pour entreprise, d'abord, mais surtout pour mon handicapé. Donc, il y a bien possibilité pour faire des interviews sur place. Quoi que le processus là commence déjà, nous faisons sélection CV pour nous regarder pour nous voir qui dossier qui est approprié avec ça, entreprise décrit comme besoin en termes d'offre d'emploi. Mais tout, le jour même, il y a bien possibilité pour passer interview et puis pour accélérer le processus d'embauche là. Mais nous voulons dire tout, d'accord, nous voulons dire tout que tout le monde qui dévoyait CV ou pas qu'à participer parce que nous avons contraint d'espace. C'est 200 monde que nous sonnons, que nous voyons carte d'invitation pour eux, que nous voyons badge pour eux, c'est eux qui participent, qui ont des possibilités pour eux participer dans l'événement. Parce que, j'allais dire, nous sommes obligés
respecter toutes mesures sanitaires qui pour permettre tout le monde qui participe dans le salon hein, capable de retourner la caillou sain et sauf. Pour accueil là, donc pour nous capables venir là jeudi hein, devant la presse, pour nous capables parler de l'activité ça. Nous saluer tout le monde de la presse qui présent, que ce soit écrit, télévisé ou bien si vous branchez. Donc en ligne, donc c'est un plaisir pour nous avec vous. Dans le bureau secrétaire d'État communication jeudi à pour nous parler de l'activité ça. Et objectif conférence pour la presse jeudi, hein, c'est un souci pour nous capables d'informer la presse à toute population hein, donc sur une activité que nous avons pour réaliser qui c'est le salon de l'emploi donc samedi 29 mai. Et 21 mai 2012, gouvernement haïtien qui promulgué loi sur intégration moun qui handicapé. Dans ce sens, il y a un article là-dedans qui c'est article 44, donc qui fait obligation à tout établissement agricole, service commercial, industriel, donc quel que soit type d'institution pour que les gagner dans personnel lié de moun qui handicapé comme employé. Et sous base qualification à aptitude moun yo, donc pour capable réaliser tâches que yo gagné pour exécuter. Par exemple, loi dit mentionné que yon entreprise qui gagne 21 à 50 employés donc li doit engager au moins yon moun qui handicapé. Et malheureusement, disposition li dans ça donc li pas vraiment appliqué. Et BCF qui c'est bureau pour intégration moun qui handicapé yo, donc conscient de situation ça, eh bien, prenons ensemble de dispositions pour que nous capables de faire promotion de manière générale pour les monde handicapé qui ait un meilleur accès à l'emploi. Et projet ça, donc dans le contexte là, BCF prend initiative là pour que nous organisions un salon emploi donc pour les monde qui handicapé. Événement ça, n'a fait samedi 29 mai. Et il a réalisé avec support technique de CEDEL, qui est le Centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti. Donc, nous gagnons M. Pascal tout à l'heure, qui va le gagner pour informer nous donc, techniquement de comment l'événement est organisé. Et nous voulons attirer attention la presse. Notre objectif, ça, l'emploi, ça, c'est pour que nous soyons capables de contribuer. Donc, dans l'intégration des gens handicapés sur le marché du travail, là, pour faire entrer en relation avec institutions qui sont dans le secteur public, privé, institutions internationales, multilatérales et bilatérales. Dans une approche qui chita sur l'inclusion, qui mettait accent sur le respect quota que la loi lui-même lui fixait, article 44, loi portant sur l'intégration des gens handicapés. Et pour nous capables de faire valoir tout, ça que relève engagement en matière de responsabilité sociale. Parce que l'entreprise, donc il y a ça, il doit rentrer dans l'ISA. Il faut que nous disions que l'État haïtien ratifie la convention relative sur les gens qui sont handicapés. C'est l'autre engagement encore, parce que feuille de route que nous gagnons, et le président clairement identifié pour que nous-mêmes nous fassions promotion pour application. Convention relative sur droit moun ki handicapé yo et puis veiller tout sous application texte de loi portant sur intégration moun ki handicapé yo. Et pour qui ça yon salon de l'emploi, et c'est sûr que gen moun qui toujours ap mande tête yo, oui, gen la loi pour ça, mais est-ce que yon moun ki handicapé ka travay? Et jodi an nous dit que gen en pile moun ki handicapé ki formé, gen ki qualifié comme professionnel pour le travail, et bien vraiment c'est mettre en contact plus que 200 personnes qui sont handicapées, donc avec plus que 50 chefs d'entreprise pour capable justement arriver à passer des entrevues dans la journée salon emploi et puis gagner qui arrive tout embaucher, ça va dépendre et après être à l'avenir en contact avec l'entreprise. Ça y a une façon pour nous capable de gagner plus de monde qui sont handicapés qui intègrent le marché du travail. Nous voulons attirer attention à la presse tout. Travail à faire, c'est un travail transversal. Parce que le bureau secrétaire d'État pour les gens qui sont handicapés, nous n'avons pas là pour nous embaucher tout le monde qui est handicapé. Parce que là, nous avons parlé de plus que 1 million de monde qui est handicapé. Donc, d'où l'obligation pour que nous-mêmes, nous fassions promotion ça pour application de la loi. Parce que les gens qui sont handicapés, depuis les qualifiés, bien entendu,
pas pour embaucher monde sous base de médiocrité parce que c'est un monde handicapé, pas pour embaucher monde sous base de faveur parce que c'est un monde handicapé, mais vraiment c'est aller dans aspect inclusion, hein, embaucher monde handicapé parce que c'est un professionnel qui qualifié. Et ceci étant dit, donc dans le 21e siècle, je dis à n'a parlé sur le plan international, une entreprise qui voulait une entreprise qui a une image internationale doit travailler sur culture organisationnelle inclusive. Ce qui veut dire qu'il y a une culture de ça pour que les connaissent que les capables d'employer les gens qui sont handicapés, pas sous base de discrimination, mais sur base de respect, ça la loisir pour inclusion des gens qui sont handicapés sur le marché du travail. Merci beaucoup.